Vivien Gonnet limite les dégâts. Ouais, écoute, il s'en sort bien. Ouais. Voilà, je pense qu'il a été surpris par les, par le... l'allumage, ouais. De, oui, ben Vivien Gonnet, il a dit, ben j'ai pas vu. Ouais, il est loin en plus. Ah, bon, pareil avec la voiture, il est au fond là-bas. Et allez, voilà, c'est parti. Et là, c'est parti. C'est parti. Et ce coup-ci, il est parti 2, je crois. Vivien Gonnet, ouais, il me semble bien qu'il est parti 2. Et c'est qui c'est qui a fait l'autre shot? J'ai pas vu. C'est Colomban, non? Ah, j'ai pas fait gaffe qui c'est qui a fait l'autre shot. Alors Colomban. Romain Gioffre. C'était sûr que c'est lui. Deuxième là. Oui, c'est Colomban. Dabert 2. Dabert, ils sont extérieurs. Dabert 2, extérieur. Si, c'est pas le bac. Hé, Gioffre peut-être. Gioffre deuxième. Ouais, Gioffre deuxième. Gioffre deuxième dans la descente. Donc pour l'instant, Colomban en tête. Gioffre deuxième. Dabert 3. Et Vivien Gonnet 4. Ouais. Allez, on va suivre Julien Colomban. C'est ce qu'on a pour l'instant dans la descente. Allez, Julien Colomban, Romain Gioffre. Sylvain Dabert qui passe intérieur sur Romain Gioffre. Ouais, ça y est, c'est bon, il est passé. Vivien Gonnet qui attaque. Hop. Il n'est pas passé. Tout va bien. Rassure-toi. Donc pour l'instant, passage du premier tour. Julien Colomban en tête, une seconde devant Sylvain Dabert. Gioffre troisième. Ouais, Vivien Gonnet 4. Wanchang 5e. Ouais, c'est bien, Joanne. Martinez 6, Parseillan 7, Malige 8, Duvers, Brancy, Nigon, Bala, Cavalieri, Genzi et Finn qui ferment là-bas. On va suivre la bagarre devant. Didois Colomban, il est déchaîné. Hein. Tout à l'heure, il s'est fait remonter au dernier moment. Mais c'est le seul qui, jusqu'à présent, avait réussi à battre Vivien Gonnet. Bon, maintenant, ils sont deux. Il y aura Julien Colomban et Sylvain Dabert qui ont réussi à battre le leader de cette AMV Cup, le porteur du maillot jaune. Mais il n'a pas dit son dernier mot, Vivien Gonnet. Il est quatrième. Non, il est troisième. Allez, il vient de doubler Romain Gioffre. Allez, Romain Gioffre, quatrième. Pour l'instant, on est record du tour pour Colomban, 41-6. Ouais, Colomban, normalement, ça va le faire. Il a un peu d'avance, quand même. Oui, il a un peu d'avance. Il a une seconde 7. Une seconde 7 après deux tours, c'est pas mal. Hein. Ouais, Sylvain, il va pas lâcher, là. Ah non, freinage. Je pense pas. Oh, le freinage, là. Regarde le freinage, là. Super, Joan Wangchang. Magnifique, cinquième, là. Ah, les mecs sur l'asphalte, ils ont des freinages, quand même, qui viennent d'un autre monde. Ils viennent d'un autre monde. C'est de la rigolade pour eux. Mais bon, c'est quand même avec les clous sur la glace. Voilà, faut rester sur la moto, quand même. Ouais, c'est un peu chaud. Faut rester sur la moto. Alors, Julien Colomban, toujours en tête, toujours avec une seconde 7 d'avance. Ils sont tous les deux, ça n'a pas changé. Une seconde 6, deux secondes 2. Romain Gioffre, qui perd un peu de terrain. La bagarre là, 5 secondes. Derrière. Ah ouais, mais partout. Noël Duvers et tout, là c'est chaud. Hein. Parseillan. Ouais, c'est pour la 8ème place, 8-9ème place. Allez, ça ne bouge pas en écart, toujours une seconde 7. Ouais, mais c'est vrai que entre la 8ème et la 11ème place là. Ouais, donc là ça nous ferait ça nous ferait un général aujourd'hui, ouais, Colomban d'Abergonnet. C'est ça, absolument. Voilà. Et c'est Colomban qui gagnerait la journée. Et voilà, c'est voilà. Colomban. Si ça reste comme ça, journée, hein. Mais on va pas lui porter l'âge commun. Ça serait quand même Vivien Gonnet qui resterait maillot jaune avant l'arrivée la semaine prochaine du côté de Superbès. Oh là, chute là-bas, non. Si, il est tombé, Sylvain Dabert, sans gravité, rassurez-vous, il va se lever. Il est parti à l'extérieur, il a pris la puff. Attention, et, commissaire, les drapeaux jaunes, s'il vous plaît. C'est tout bon. Les commissaires l'ont vu. Il est passé à côté de la moto, il est tombé sans gravité. Mais enfin, il perd beaucoup de temps. Attention, le podium là. Et bah c'est Romain Gioffre. Et voilà. Là, tu vois, on a le podium. Et Joan Wangchang, quatrième. Ah, c'est génial. Erreur de. J'ai perdu son nom. Erreur Sylvain Dabert qui a été se mettre dans la puff et qui a fait une Peter Hansel finalement. Il est passé. Allez, c'est tout bon pour Julien Colomban. Encore. Ouais, mais là, attends, il a plus de 2 secondes d'avance maintenant sur Gonnet. 6 sur Gioffre. Un tour. 16 sur Wangchang et c'est la balade des gens heureux pour Colomban. Hein. Ouais, super. Et attention, Gonnet qui revient. Ouais, 2 secondes 3. Il revient, Vivien Gonnet. Attention, le leader de cette AMV Cup n'a pas encore baissé les bras dans ce dernier tour. Alors que, où c'est qu'il est reparti Sylvain Dabert. Il est dernier, donc c'est foutu. Le temps de relever. On va suivre Julien. Attention, dans le dernier tour, la bagarre pour la victoire entre. Allez, Julien sur la Sherco, la moto française. Où est-ce qu'il est, Julien? Il est où? Ça se touche dans la ligne droite. Ça s'est touché, là, allez, tous les deux. Vous l'avez vu sur vos écrans, dans la montée. Julien, je crois qu'il est. Il est là. Il est là, voilà. Ouais, génial. Victoire de Julien Colomban qui lève les bras après l'arrivée. Deuxième place pour Vivien Gonnet qui se sauve. Ensuite, on devrait retrouver Romain Gioffre. Ça va être un podium pour le pilote de Clermont, voilà, une nouvelle fois. C'est le podium, voilà. Et voilà, Romain Gioffre, donc il devrait arriver. Le voilà, il est à 12 secondes. Allez, Joan Wangchang, là-bas, regarde le freinage. Oh, ils sont gonds 5. Ils sont 7. Allez, on va attendre l'arrivée. Allez, Joan.
Ouais, magnifique. Alors, ah, je suis trop content. Van Chang devant Maliget, ouais, Duvert, ils sont tous dans la même seconde. Ouais, hein. Génial. Ouais, ensuite, Etienne Parseillan qui est là, Martinez bien 8e, Pansy ensuite. Alors, ce qui veut dire au niveau de l'épreuve d'aujourd'hui, on aura donc Colomban, Gonet, Geoff et que le classement général ne changera pas.